Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui on découvre la démo de Lua's Beginning of the Hill, un jeu que j'ai découvert en cherchant un petit peu tous les jeux qui étaient disponibles en démo pendant la Gamescom. Et voilà, là c'est développé par Magic Wain Studio et c'est un jeu, déjà la musique est très sympathique, très entraînante. On va voir ce que je lui propose plus en détail après le jingle. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner et de commenter. Merci d'avance pour votre retour. Allez, on se plonge dans cet univers qui paraît très sympathique rien qu'avec la musique. Allez, let's go! Allez, on y va, on se projette. Là, c'est raconté sous forme de BD. Avec des petites vignettes. Elle met ses chaussures, il faut toujours lacer ses chaussures. La chaussette gauche, la chaussette droite, chaussure gauche, chaussure droite. C'est un rituel. Pour ceux qui ont la ref. Il y a un petit peu de problème de synchronisation. Il faut regarder les options vite fait. On va regarder vite fait les options. Si je peux mettre le V-Sync. Parce que là, il y a du problème d'aliasing ou je ne sais quoi. Mais j'ai pas l'impression que j'ai la possibilité de mettre cette option. C'est pas très grave. C'est pas grave. Allez, on y va. Enfin, il y a plein de petites barres qui se baladent là. Je sais pas si vous le verrez. Direct, lancé dans le vif du sujet. Que la musique est reposante. Allez, on y va. Je sais pas, je croyais que c'était un bug, mais non, le chargement est très long. C'est de toute beauté. Les textures de l'herbe est quand même pas mal. Allez, hop. Donc nous avons restart, redémarrer du dernier checkpoint, tourner tatata. Il n'y a pas de saut, il n'y a rien, donc c'est ok. Et voilà, on s'amuse à descendre et à dévaler. Alors, heureusement, il n'y a pas de voiture en face, sinon ce serait très dangereux. Ah, nous avons la possibilité de faire quoi? Quand vous êtes en... tout... ok. Wow. Ah oui. My fears took over me. C'est rapide quand même. Ah oui, bon, on va quand même à 140 km/h quand même. Mais on peut se quand même céder avec la gâchette. Ou bien, ah mais dès qu'on dépasse, dès qu'on sort un peu de la route, direct on doit recommencer. Il n'y a vraiment pas de place à la moindre erreur. On va rester le plus souvent au milieu. Attendez, j'ai un gros insecte chez moi là, je l'entends. Ça me déconcentre. Ah, je le vois.
Excusez-moi, c'est bon. C'était pas prévu, mais ça m'aurait dérangé, je pense. Et vaut mieux prévenir que guérir. Donc désolé pour ce petit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est mes performances. Ok, maintenant on fait le suivant. Non, on peut pas passer comme ça. Alors peut-être qu'il faut faire ça. Non, c'est pour commencer ça, je pense. Ah non, c'est la suite. Ah oui, c'est la suite. En tout cas, c'est très très beau. Waouh. Oh punaise, je peux passer à travers les rochers. Je meurs pas. Ça me fait pas mal. I need to get back on the road. Ah oui, oui, ben, excuse-moi ma petite, mais c'est un petit peu trop vite. Hein. It's out of my reach. Ouais, en tout cas, ouais, je disais que c'est très 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 beau. C'est vraiment agréable de se perdre dans cet univers. Les musiques sont vraiment cool, je sais pas si vous les entendez bien. 192 km/h. Waouh! Oh non non! C'est pas évident, moi je vous le dis. Oh là là, ah c'est. It's out of reach. Ah c'est difficile. Hein. Après bon, comme vous avez l'habitude, hein, je peux vraiment pas doué pour la plupart des jeux, on va dire. Ça c'est d'avoir trop regardé Marcus étant jeune. Il m'a pas donné les bons tuyaux. Mais les musiques sont vraiment très 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 cool, la bonne son, rien à dire. Voilà, là j'ai réussi à bien prendre. Oh punaise, mais ça va trop vite. Ouais, là je vais mourir. Et ouais. Le skate c'est dangereux. Ça s'appelle une longboard. Waouh. Ouais, encore loupé. Pas évident à bien dompter les virages. Là, ça va. Non. Bon, moi, je vais avoir du mal, hein. Même si c'est dur, même si j'ai du mal, c'est vraiment très très cool. Et voilà, encore une fois. Toujours au même endroit. Ah, j'ai pas assez fait. Oh, ça va, ça passe. C'est pas très très glorieux. Pas jojo, mais c'est efficace. Ça aussi c'est efficace. Je vais recommencer au même endroit. Et bah oui, juste avant le checkpoint. Et ouais, c'est toujours pareil. Mais non, mais c'est pas possible, je suis dans la bonne direction. Je suis sur la route, il y a toujours un endroit, un moment où je dévie, et toujours un endroit.
Regardez, les décors sont quand même somptueux. Voilà, c'est là que je me plantais. Oui, on a vu le checkpoint. It's out of reach. Ah non, poney, mais pourtant j'ai dépassé ce point. Il devrait me laisser plus loin. Peut-être un truc qui n'est pas au point dans leur alpha. Comme ça, ça c'est marqué. C'est une version alpha, donc forcément, on va pas leur en tenir rigueur. Et ben. Même pas passer le niveau. Moi, c'est un skill de montrer que je suis capable, mais non, là. Mais non, je veux anticiper. Pas au fait que je me. Casse toujours la gueule, la binette. Casse toujours la binette. À droite. Donc là, je me dis, si je vais le plus à gauche, ça va peut-être le faire. Sauf que je me prends la gauche. Et je tombe dans l'eau à gauche. Là, ok, c'est bon. Ah, enfin. On a enfin réussi à passer un peu plus loin. À l'heure. Oh là là, une fois que j'arrive à pas tomber. Oh. Ouais, mais là non, c'est mort. Et où? Ah, ça va. It's out of reach. Bon, c'est cool, on aura vu quand même d'autres paysages que celui-là où je galérais tout à l'heure. Arrive à la fin, mais c'est encore long. Je vois les musiques sont très très entraînantes. Et non. Et à Netugay, j'ai besoin de retrouver la route, je sais. I need to get back on the road. Non, j'ai pas insisté. J'aurais dû un peu plus utiliser l'arbre pour tourner. Comme je ne sais pas le. Ah, mais la musique est géniale. Ce côté un petit peu pop rock là. Je sais pas si vous l'entendez. Je pense que oui. Quel âge est-ce, grand-mère? Une centaine d'années? Je ne peux pas me souvenir. Voilà, enfin. Nous avons enfin réussi le deuxième niveau. Vous voyez, il est là. Il y a 3, 4, 5. 5 niveaux pour ce biome, je pense. Le côté très nature et le printemps. Enfin, on est un peu printemps-été, là. Enfin, en tout cas, c'est comme je disais, graphiquement, c'est quand même très joli, franchement, pour une alpha. On a vraiment des détails. L'herbe est bien représentée, la texture, les arbres, la nature est très belle. La direction artistique est quand même très 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 très
attrayante et alléchante. Regardez, voilà, on peut pas changer la caméra, mais il y a des montagnes derrière. Les petites les feuilles qui voltigent et tout. Enfin voilà, il y a le sens du détail. C'est très très propre. C'est vraiment magnifique. Donc on va s'arrêter là. On va juste aller voir ce qu'il nous propose. Le deuxième. Ah bah non, c'est fini. C'est pour nous supporter. Vous voyez, en plus, on a fini la démo. Vous voyez, donc comme quoi, elle n'était pas si longue. C'est vraiment un petit aperçu. Mais l'aperçu est quand même sympathique. Moi, ce que j'aime le plus, ce sont les musiques. L'univers, tout ce qui est un petit peu la nature, la direction artistique, les paysages. Après, il faut un petit peu plus se réussir à dompter et bien diriger le skateboard, le longboard. Mais en soi, franchement, il y a la sensation de vitesse et tout ça. C'est les trajectoires un petit peu difficiles. Mais je pense que c'est un coup de main à prendre. Bref, très sympathique. Donc, c'était le jeu Lua. Lua, tout simplement. Je ne sais plus le nom du jeu exact. Ça s'appelle Lua, The Beginning of the Hill. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.